Mais un des sujets qui est difficile, et je pense que ça va être de plus en plus compliqué quand on voit un peu aussi les profils jeunes qui arrivent, c'est de conserver les gens. Il y a un vrai, il faut que les entre, je pense que ça va venir des entreprises, il va falloir aussi qu'on arrive à conserver les gens. Enfin, une fois qu'ils sont formés, qu'ils sont dans l'entreprise, c'est top. Après, les faire rester 10, 15, 20 ans, là, ça va être un vrai défi, quoi. Le problème D'accord. qu'on a aussi, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont envie d'autre chose. C'est fini, les gens veulent plus faire la même chose, en tout cas, les mêmes tâches répétitives pendant X années, quoi. Il faut les D'accord. intéresser, il faut arriver à les capter, à diversifier, à évoluer. Et ça, c'est des choses, c'est un vrai challenge. Ça va être un vrai défi. Une fois que les gens, on les a embauchés, formés, après, c'est les garder. C'est vrai que les D'accord. nouvelles générations sont difficiles à capter, quoi. Sont difficiles à fidéliser. C'est, D'accord. alors, il y a plein de choses. Il y a pas que le boulot, il y a aussi le, alors, on en parle un petit peu en ce moment, c'est un peu le truc à la mode, et c'est vrai, hein, le côté marque entreprise. C'est-à-dire que, il n'y a pas que le, il y a évidemment le métier, ce qu'on fait, le rendre intéressant, etc. Mais il y a tout l'univers qu'on crée dans l'entreprise. L'ambiance, un peu les à côté, quoi, ce qu'on va proposer aussi dans les à côté. Les activités, les activités de groupe pour fédérer, enfin, voilà, il faut La qu'ils aiment leur culture métier, mais il faut qu'ils aiment d'entreprise. l'entreprise. La culture Exactement. d'entreprise. Il faut qu'il y ait une Bah, culture d'entreprise. Il la faut que culture. ça c'est aussi important, sinon Bah, ça part, quoi, ça. j'ai envie de dire que la culture d'entreprise, elle arrive à partir du moment où on s'investit dans son travail, les choses arrivent, on s'identifie à son entreprise, on aime son métier, et du coup, la culture d'entreprise, elle se construit un petit peu toute seule. Ce qui me frappe effectivement chez les salariés, à l'heure actuelle, c'est qu'ils attendent un petit peu que tout, descende du ciel et que, finalement, qu'on leur Ouais, beaucoup offre. de choses est dû, quoi. Ouais, voilà. Il y a trop de choses qui sont dues et par rapport à ça, il y a un manque de réalisme, je pense. Les entreprises et les entrepreneurs peuvent faire un certain nombre d'efforts, c'est vrai, mais il faut pas s'attendre à ce que, je sais pas, trouver la situation de ses rêves en entrant dans une entreprise. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça, je pense pas. Non, non, mais ça c'est sûr, ça viendra toujours de soi. Ça, il faut à un moment donné se le dire, tout un chacun, quoi. Ça, le bonheur, ça, chacun se le construit soi-même. Tout à fait. Mais c'est vrai que mettre un cadre sympathique au-delà du métier, ça aide. Ah, bien Ça sûr. aide.